Au nord de Marseille, 15e arrondissement, le quartier des Égalades tire son nom du provençal Aqualata, traduisé eau abondante. Autrefois lieu de villégiature de riches aixois et marseillais, on le surnommait le petit Versailles marseillais. Le village des Égalades, alors terroir d'exception, abritait de nombreuses bastides. Le caractère de campagne du quartier est rapidement modifié. L'implantation de l'industrie au 19e siècle, la construction de l'autoroute à partir de 1941 et 20 ans plus tard, le quartier est classé programme d'HLM pour accueillir populations immigrantes et rapatriées. Tours et bars sortent de terre et transforment le paysage. Village touristique à visiter, franchement. Voilà, l'église, elle est jolie. Avant, il y avait les châteaux, il y avait les fontaines. Ici, il y avait beaucoup de maisons de nobles, de gens qui avaient du pognon. Hein. C'était riche avant, oui. Ouais, très riche. Mais il y a des siècles en arrière, quand même. À l'époque, il y a 40 ans, 50 ans en arrière, hein, il y avait des chevaux, tout. C'était beau. C'est un beau petit village. Parce que vous avez à côté, vous avez les villas, vous avez les Égalades village. Mais on dit village parce que c'est les petites maisons, vous avez les HLM à côté. Mais voilà, ça reste quand même les Égalades. C'est un quartier pauvre, c'est un quartier que on n'a rien quoi. On n'a pas de stade, on n'a pas comment jouer, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien en fait. Ouais, il manque des magasins, il manque pas mal de trucs. Fait que ici, on va dire, c'est un peu trop calme, je trouve. Ben, il est un peu à l'abandon. On va dire, il n'y a plus de commerce, c'est dommage. C'est un quartier un peu réputé chaud, mais ça se passe bien maintenant. J'attends que ça se passe bien, donc. Moi, je me sens à l'aise. C'est pas comme les quartiers chauds de Marseille, tout ça. C'est vraiment bien. C'est un quartier populaire. Donc, on y vient là, même. Même les histoires qu'on entend de temps en temps, mais c'est un quartier vivable, sincèrement. Donc les gens sont tranquilles, en global. Le quartier des Égalades, sous ses airs de campagne, sa place et son église, berceau du village, un lieu de culte de presque 800 ans. C'est le premier couvent que les Carmes ont créé en Europe, donc nous sommes au XIIIe siècle. Des moines, le mont Carmel, se sont installés dans un premier temps dans la grotte donc, que nous voyons au-dessus sur l'autoroute, en allant sur Marseille-Aix-en-Provence, à la hauteur de Saint-Antoine. Donc ce prieuré a été construit par ces carmes. Et ensuite, ils sont venus donc construire un petit couvent dans le lieu où la légende populaire voulait que Marie-Madeleine soit passée avant de partir à la Sainte-Baume, soit venue s'installer dans cette grotte. C'est un oratoire donc dédié à Marie-Madeleine. Donc nous voyons une statue de la Sainte dans la position qu'il y a plus commune. Donc c'est un lieu un petit peu mystique et c'est vrai que c'est la partie la plus intéressante et la plus ancienne donc, de notre village et toujours avec ce culte de Marie-Madeleine et de son passage aux Égalades. Pas étonnant que la légende de l'arrivée des saints en Provence est une étape dans ce quartier, passage obligé pendant l'Antiquité et les impressionnantes falaises de 15 à 20 mètres de haut, la luxuriante végétation stimulant notre imaginaire. Et derrière cette porte, un lieu insoupçonné des Marseillais, un espace encore préservé, un coin de nature au milieu du béton, la cascade de la rivière Caravelle. Alors là, on va faire attention parce que les planches glissent. Hein. On arrive dans la fraîcheur du vallon des Égalades. Moi, natif des Égalades, je la considère comme la ligne de vie entre le nord de Marseille et le centre de Marseille. Parce que toute la modernisation, toute la population est arrivée le long de ce ruisseau. Et on s'en rend bien compte puisque si on traverse de Septembre jusqu'à Rennes, toutes les habitations ont été faites le long de ce ruisseau. Cette eau était utilisée pour faire tourner les turbines des industries qui se trouvaient le long du ruisseau, c'est-à-dire les savonneries, les fonderies, les traitements de peau, etc.
au 19e siècle, les berges de la rivière étaient faisaient partie des propriétés des grands propriétaires de Bastide qui étaient aux Égalades. Et ils avaient accès à la rivière. On a des photos qui datent de 1900 où on voit ici, là, sur les berges, des belles dames en robe et chapeau avec des messieurs en canotier qui viennent prendre le frais au bord de la cascade des Égalades. Entretenu tous les ans grâce à des chantiers d'insertion sociale avec des jeunes des quartiers nord, les habitants souhaiteraient pouvoir un jour retrouver la cascade d'antan. Sur les hauteurs du village, 14 hectares de nature, les jardins ouvriers et familiaux de Provence sont créés en 1941 pour ravitailler les prisonniers de guerre. Un espace partagé en 245 petits potagers à cultiver. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y fait pousser ? Là-bas, j'ai déjà mis les oignons en bulbe. Là, je prépare déjà, je l'aère un peu pour mettre l'ail. Et après, on va mettre une rangée de petits pois, dans pas longtemps, c'est bientôt le temps. Et là, il va y avoir quelques choux, il y a quelques choux. J'ai des blattes, bon, les poireaux, si je veux les manger en salade. Là-bas, là, par contre, j'ai des topinambours, ça, c'est des légumes que pas tout le monde aime. Mais mon petit-fils, il a 5 mois, il se régale à manger topinambours. Bernard cultive son jardin depuis bientôt 10 ans et ne changerait pour rien au monde. Manger une tomate du jardin, il n'y a rien à voir avec celle de Casino, de Carrefour. Parce qu'ici, c'est tout en pleine terre. Bon, la tomate, on ne la mange pas avant le 1er juillet. Et puis le plaisir de travailler la terre. Hein. Surtout ça, parce que si on ne prend pas de plaisir à bêcher son jardin, c'est même pas la peine de venir. Aujourd'hui, 400 demandes sont en attente. Pas étonnant quand on apprend qu'une parcelle coûte 50 centimes le mètre carré par an. Une culture donc à moindre coût, mais en échange, un peu d'huile de coude et quelques règles à respecter. Attention, que le jardinier, lorsqu'on lui attribue une parcelle, et qu'il faut que sa parcelle soit entretenue et ensemencée. S'il ne fait pas ça, et l'année d'après, il est exclu de l'association. Aux nouveaux jardiniers, là, je leur dis, lorsque vous franchissez le grand portail, on oublie tout. La religion, la couleur de peau, les idées. Parce que si on commence à parler de politique, on ne s'en sort plus. Donc on est des jardiniers. 11 nationalités différentes se côtoient ici. Modèle d'intégration sociale et d'échange de culture, les jardins ouvriers et familiaux de Provence accueillent aussi de nombreuses écoles de Marseille à des fins pédagogiques. Depuis 2010, sur l'avenue des Égalades, la cité des arts de la rue, avec son bus, une structure où 7 compagnies locales travaillent et élaborent leurs spectacles, il fallait y penser. Et en fait, le projet a plus d'une quinzaine d'années. Hein. Il a été inventé, imaginé par Pierre Berthelot, qui est le co-directeur artistique de Générique Vapeur, et Michel Crespin, qui était à l'époque directeur de lieux publics. Les deux personnages très importants des arts de la rue ont voulu se rassembler à la fois pour se donner un lieu de travail pérenne et lisible au niveau de la ville de Marseille et en même temps pour mutualiser leur réseau professionnel de compétences, d'artistes et de diffuseurs, de producteurs. D'où ce projet-là qu'ils ont présenté notamment à la ville de Marseille qui les a suivis et qui a acheté ce site qui était avant une huilerie qui ferme ses portes à la fin des années 80 et qui est racheté donc par la ville de Marseille pour donner lieu et accueillir cet équipement culturel unique en France qui est la Cité des Arts de la Rue. Toujours dans les quartiers nord, un lieu insolite pour nous Européens, quasiment inconnu des Marseillais, la pagode Pha Poa. C'est la pagode vietnamienne de Marseille. Un décor unique, un parc orné de statues, de fleurs, un Bouddha gigantesque et le temple où siègent régulièrement des cérémonies.
Le bouddhisme n'est pas vraiment une religion, mais plutôt une façon de vivre, de penser pour être au plus proche de la perfection. Ici, la communauté bouddhiste vietnamienne de Marseille se rassemble régulièrement et organise des repas végétariens ouverts à tous, avec libre participation. Normalement, c'est ouvert tous les jours. Mais depuis quelques temps, vous savez, c'est un quartier chaud. Alors que je suis obligé de fermer tout le temps. Les gens qui veulent visiter, il faut prendre rendez-vous avec les coordonnées. Ce lieu de culte et école spirituelle fut fondé en 1978 par un moine bouddhiste vietnamien, Chin Chien Dinh, et on espère que le colossal Bouddha en bronze doré répande sa zénitude sur la ville. Les Égalades, un quartier qui s'est construit comme la ville au fil des migrations de population, des grandes bastides à l'industrialisation du 19e siècle, puis aux importantes constructions comme l'autoroute dans les années 40 et les programmes HLM des années 60. Ici, c'est 7000 habitants et même si 50% de la population a moins de 35 ans, ce quartier populaire compte plus d'un quart de ses habitants au chômage. Quartier Nord, pauvre mais riche d'histoire et riche d'initiatives, tant de la part de ses habitants que de ses acteurs professionnels. Ici, culture, religion et niveaux sociaux cohabitent et donnent aux Égalades un charme unique dans la ville.